Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur le compte qui est actuellement à 92-0 en Arkix. Le but c'est de faire un compte Arkix free to play, donc de voir comment on peut monter qu'un seul archétype, de s'éclater sur du ladder sur un format un peu différent. Et bah c'est parti pour la suite, c'est parti tout de suite, il y a du gros pack opening, let's go. Je vous ai prévenu, il y a du pack opening, là il y a des trucs à ouvrir, on a un méga coffre foudre, incroyable, un méga coffre foudre, voilà je le dis au cas où. On a deux petits coffres, un coffre en or et évidemment une fois qu'on a ouvert ça, on va voir quel choix on décide de faire pour améliorer ou non le deck. Sachant que bah on peut pas monter les cartes, mais on peut peut-être monter le niveau du roi, à moins qu'on chope 20 Arkix, et là on est refait. Voilà, voilà, simplement, et après on est parti sur du ladder, c'est parti. Première ouverture. Ok, rien d'intéressant. On épuise les cartes pas intéressantes pour les avoir par la suite. Voilà, ça nous sert à rien. Ça nous sert à rien, et à rien. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, le vrai coffre et les cartes intéressantes. 5600 d'or, ça c'est pas mal. Alors ça non. Ça non plus. Ça non plus. Encore moins. Non, vraiment pas. Vraiment pas non plus. Ah ben voilà, c'est intéressant. Ok, donc une carte intéressante. Et le reste, on va devoir aller cycler. Alors, on va déjà cycler les gardes. Les gardes, histoire de récupérer de l'Arkix. Non. Allez, allez, ne troll pas, un Arkix direct, s'il te plaît. Non, ne troll pas, arrête, arrête. Un Arkix. Écoute, ça, rien ne va plus. Rien ne va plus, là, ça va le faire. Je vais frapper le mur. Je reviens, je vais frapper l'herbe. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, je vire le golem. Puis tu feras plus de chance de virer le golem. Ça coûte 4 sapeurs. 54 sapeurs, évidemment, 54 sapeurs. Eh ben très bien. Ça nous a servi à rien, environ, à part la bûchette. Il y en avait 7 des poudres, hein. Il y en avait 7, bordel. C'est n'importe quoi. C'est simplement n'importe quoi. Bon, bah, on va monter un peu le reste. Alors, du coup, on va essayer de passer au moins niveau 9. Histoire que ce soit un peu plus agréable pour la suite des vidéos. C'est pas monter le soin non plus, on a quand même un peu de respect. On va monter quoi? On va monter les chauves-souris. On monte des trucs, de toute façon. On monte des trucs, voilà, simplement. On va monter du séisme. On veut le niveau 9. Le niveau 9, on est pas très très loin de l'avoir, donc on va essayer de l'avoir, évidemment. On va monter ça. Le petit coup de balance. Le bomber. Très important de monter le bomber, évidemment. Alors, on va le monter deux fois pour la peine. C'est pas grave si on claque un peu d'or. On y est ou pas? On y est! Niveau 9! Let's go! Let's go! On a niveau 9, c'est déjà ça! C'est déjà ça, on a 149 000 d'or! Et ben on est parti, tant pis, hein. Tant pis, on n'a pas l'air de faire qu'ici niveau 11. On est parti pour les games. Et on se concentre, on tryhard le maximum. C'est parti, les amis. Alors, les archères, les petits squelettes, la bûche, la boule de feu. J'attends de voir ce qu'il décide comme open, donc il est niveau 9, hein, golem de glace, d'accord. Ok, c'est un bon joueur apparemment en face. Hein. Son opening est vraiment pas déconnant. Ou ça va être intéressant ça. Ou ça va être du beau match. Alors je pense qu'il va jouer un espèce de cochon. Je pense qu'il y a du cochon dans son deck. On va attendre de voir ça, ok. Le voilà. Le voilà, le premier cochon. Donc on en joue T2, donc c'est pas forcément la meilleure version pour gérer les cochons. Mais on va essayer de se concentrer. En face, il joue bien. Donc, clairement, il a des bonnes mécaniques. Ça va être intéressant comme match. Je vais utiliser le fait qu'il me reste encore des HP sur ma tour. Là, il va sûrement vouloir mettre une... non, c'est pas ouf, ça. C'est correct, mais c'est pas dingue. Si mousquetaire, il se prend une boule de feu instant. Hein. Je tiens à vous le dire. Là, plus maintenant. Là, maintenant, on va laisser tomber de côté. Hop, on va juste mettre des squelettes pour tamponner ses squelettes. Ok. Oh, il est tardif, le canon. Ah, il prend même pas. Oh, le pauvre, son canon est raté. Bon, c'est pas grave. On est parti en archère. On recycle tranquillement fond de map. Il nous restera deux boules de feu pour aller finir. Deux gentilles boules de feu. On a récupéré la tour de l'enfer également, s'il veut mettre un cochon. Mettre quand même un golem de glace devant, histoire de protéger l'archère, même si on s'en fiche. Je crois qu'il a rage kit. Ah non, il a pas rage kit. Il a pas rage kit, ça c'est bien. Quelqu'un de bien. Ah, la tour tombe, voilà. Alors maintenant, on va devoir gérer son prochain cochon. Il va peut-être le mettre maintenant.
Voilà, hop, tu viens là. Ok. À droite, ça, ça tombe. À gauche, ça tombe aussi. Bon. Bon, bah Arkix, hein. Je sais pas quoi vous dire, hein. Ici on Arkix, voilà. Gomme de glace, parce qu'il va vouloir le sniper avec ses troupes. Ok, il le sniper avec le canon. Masque, ok. Cette fois-ci, je vais lui laisser un mousquetaire, c'est pas grave. Si cochon, je mets une boule de feu, ou s'il met autre chose, voilà, une petite boule de feu. TDE. Tranquillement, voilà. Tranquillement, quoi. Les choses se passent. Il canon là-bas. Ouh, eh, d'accord. C'est un choix. Ok, c'est un choix. Hein. Faut respecter les choix adverses. Bon, let's go! En plus, il jouait bien en face, c'est dommage. Ok, ça tombe. Bon, bah. Bah, bien joué à lui. Bien joué à lui. Le 93-0 qui régale, qui fait plaisir. Let's go, let's go, guys. Sans absolument aucune coupure et aucun changement, nous continuons. Bon, désolé, il y a eu une petite, un petit imprévu IRL. Du coup, j'ai dû repartir sur d'autres choses. Après, j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave, on prend la suite comme si de rien s'était passé. Comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et on est parti, let's go. Hop, on va mettre un petit peu la caméra. Alors, on a de la bûche, de la boule de feu, de l'Arkix, de la TDE. Bah, bûche. Bûche, hein. Bûcher's play. On va quoi? Juste risquer les archers. J'attends de voir un peu ce qu'il décide de jouer. Après, il se prendra de l'Arkix. Il va se prendre de l'Arkix bien vénère. Ah bah voilà. Parfait. Let's go. Je vais déjà protéger avec un esprit de glace. Je suis à peu près sûr qu'il mettra quelque chose. Non, il met rien. D'accord. C'est un choix. Ok. C'est pas grave s'il meurt. Le Gomme de glace, il est un peu venu pour souffrir. Il est venu pour mourir, mais en même temps, bah voilà, comme ça, il permet de bien tempo, que la T2 ait le temps d'engranger du pouvoir. Là, il a récupéré son petit fût de gobelin. Donc, il a le petit fût de gobelin à déloter. Le petit fût de gobelin. Donc, on a la bûche pour le gérer. Donc, ça, ça ira. On va recycler, je pense, juste les squelettes et repartir en Arkix, non? Ok, donc là il envoie son petit fût de gobelin, on le défend et on part en Arkix. Alors qu'est-ce qu'il va avoir comme solution ici? C'est là où je suis un peu curieux. Bon, on va laisser. Hein. Est-ce qu'on def? Allez, on def quand même pour le plaisir. Ça, ça va mourir avant d'aller éteindre la tour. Ça, ça va également prendre un tarif. Enfin, le petit V-Dragon niveau 9 quand même, mais voilà. Les archers à la DPS. Hein. Oulala, oulala, ah oui, tu vas le coup en plus. Bon bah c'est parti, on va recycler, on va faire une petite attaque par là-bas. Hein. Attends, reviens là-bas, reviens, non, non. J'ai une Valkyrie. Bon là il a son fût, donc il peut envoyer un fût à droite sur la tour avec la Valkyrie. Ou alors il laisse la Valkyrie seule, ou alors il met un fût sur l'Arkix, d'accord, c'est un choix, c'est un choix. On va faire comme la dernière fois, juste remettre les archers. S'il met un ballon, on a la T2 hein, qui est up dans notre main, donc il n'y a pas besoin de plus. Là, le Béragon va tomber, on a déjà mis plus de la moitié des dégâts sur le bâtiment. Là, clairement, bon, on se met bien, on se met très très bien. Ça, ça va tomber, tac tac tac. Donc, on va juste recycler un petit peu nos cartes. Le ballon, on le prend à la tour de l'enfer, on prend pas de risque. Petite bûche pour défendre. Petit Arkix. Ouais, histoire de prendre au moins la deuxième tour, voilà, rien de méchant, hein. Rien de méchant évidemment. Ok, alors on va tuer le dragon, on va protéger notre Arkix et nos archers. Alors est-ce qu'on a... Oh, en 20 secondes on aura pas le temps d'aller faire plus, hein, malheureusement. Bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Let's go, let's go ou pas? Ok. Ah, je me suis raté. Ah, c'est bon, ça passe. J'ai eu peur, bon, je me serais raté, c'est pas grave, j'avais les archers, la boule de feu, je prenais pas de dégâts non plus, hein, mais... Mais bon, dans le doute, voilà, dans le doute, on préfère quand même ne pas se rater. Le dragon, décidément, il l'aime bien, il le cycle, il le met à chaque fois là, genre en mode pas, prends-toi un B-Dragon, et un autre B-Dragon, et un autre. Et c'est le 94 qui passe, et ça, ça fait plaisir. Sachant que dans deux matchs, je vous annonce le thématique de la prochaine vidéo sur ce compte, bon, vous en doutez sûrement, mais... Ah, on a le choix entre quoi? Ah. Ok, bon bah... Faut du séisme pour équilibrer, histoire qu'ils se disent... Ah. Ça serait bien que je lui donne plutôt des boules de feu. Voilà, on sait jamais. Hein. À niveau 7 en face, on est sur un mec chaud. On est sur un mec chaud. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, on a les archers, on a le golem de glace. Donc, moi, je serais plutôt sur partir du cycle archer. Bon, elles vont mourir, mais bon, elles auront fait la bonne cause, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a un golem de glace?
Si j'ai une bûche sinon. Ok. Un truc comme ça. Un truc comme ça, c'est pas déconnant. Alors j'avais pas besoin de mettre autant, mais c'est pas grave. Là il a mis son, il a mis tout, donc on est parti pour un petit Arkix. Alors lui, on va le prendre comment? Est-ce qu'on le reprend au golem de glace? Ouais, on va faire ça parce que ça va permettre de gérer l'armée de squelettes. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est sympathique. Voilà. Pendant ce temps-là, on met quelques dégâts, voilà, rien de méchant. Hein. Des dégâts au nez, des petits dégâts, des dégâts mignons. Ah, j'ai la peur à des squelettes. Non! Non, le squelette! Bon, 351 en face. Donc là, on pourra finir avec deux boules de feu ou une boule de feu de deux bûches. Donc ça, c'est pas mal. Prince. Allez, viens de battre en 1v1 contre la tour d'enfer. La tour d'enfer. La tour est bon, 5 pour 5. C'est pas très grave. Au moins, on est safe. On prend pas de risque. Ok. Il a envie de nous attaquer. Hein. Il est pas sympa en face. Il a genre envie de tuer nos bâtiments et tout. On n'est pas venu pour souffrir, on est sympa nous. On est grave sympa. Alors on va juste recycler les archères. Les archères. Après on récupère notre gueule. Ouh. Ah d'accord. C'est un choix. C'est un choix. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on fait un choix comme ça? Je vous laisse deviner la suite. Est-ce que vous arriverez à deviner la suite? Et là il a plus l'élixir. Et là il est dans la panade. Alors qu'est-ce qu'il va faire ici? Ok, ça me va. J'attends la suite, hein, j'attends la suite. Ah, j'ai un peu fait n'importe quoi là, mais c'est pas grave, ça marche. Allez, Arkix, tu prends la tourée, tu prends celle de droite, tranquillement, voilà, tu prends la tour, c'est bien. Ensuite, on va juste pouvoir tempo au golem de glace, on a pas besoin de plus. Le mineur, on va le gérer avec les squelettes, c'est pareil, il n'y aurait pas besoin de plus. On peut remettre un Arkix à gauche pour le plaisir. Oh là, la tour, elle est en train de défendre sa vie, quoi. Il va bien dragon ici, c'est sûr, donc on peut direct remettre ça, petite bûche. Pour redef là au squelette. Golem de glace même si on veut. Histoire de dire bon on prend pas trop cher, ça va. Il résiste 8 secondes. Je pense on est bien. Je pense on est bien. On va juste mettre une boule de feu là-dessus pour le plaisir. C'était sûr qu'il allait remettre son prince, mais alors quand il a un prince comme ça, on fait un petit esprit de glace. Deux petits squelettes par là-bas, tranquillement. Lui, bon il se prend une bûche. Allez, il se prend une bûche pour réduire un peu les dégâts. Histoire de poser des cartes aussi. Hein. Et ça se passe bien, mais ça se passe bien. 95. Ce serait vraiment beau d'aller faire les 100. Hein. Le 100, déjà, c'est un chiffre symbolique, quoi. Ça, c'est le beau chiffre. C'est le chiffre de la sympathie. Alors, on a débloqué deux coffres, on regagne 2000 d'or, c'est pas mal. Hein. Vous avez vu, on a déjà quand même 151 900 d'or sur le compte. Sachant que, justement, après, je vais vous dire la suite sur la vidéo, donc ça va être cool. Vous êtes impressionnés, choqués de cette annonce incroyable. Un niveau 10 en face. Ok, niveau 10. On va réfléchir un peu. Hein. Ah, il joue sorcier. On a autant claqué autant l'élixir. Donc là, il va revenir à 10. Ok. Bûcheron. C'est un ballon. Golem. What the fuck? Ok. Alors, que se passe-t-il quand un joueur adverse golem et zap en même temps? Il se passe ça. Il se passe un joli Arkix. Alors, quelles sont tes réponses? Alors, ça coûte un peu cher, j'aurais dû juste bûche, mais c'est un peu le réflexe du golem de glace. Ah non, t'aurais pu mourir. Oh, je perds plein de dégâts là-dessus, ça se fait pas. Bah, je vais pas mettre plus d'élixir, hein, je vais pas forcer. J'aurais juste mis une magnifique bûche, bah la tour tombée, mais c'est pas très grave. Voilà, on prend un petit avantage, un avantage sympathique. 663 HP en face. On a récupéré notre esprit de glace, on récupère la télé dans vraiment pas longtemps. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regratter l'esprit de glace, tranquillement. Je sais pas si avec une tour qui a un niveau de plus, il meurt direct ou pas mon esprit de glace, on va le voir. Hein. Ah, il meurt direct. Saleté. Saleté d'overlevel, ça se fait pas. Ok. Est-ce qu'il a rage kit? Je pense pas qu'il a rage kit, moi. On va voir, hein. On va pas prendre de risques, hein, clairement. Jean-Michel niveau 10. Voilà. Ah, il a rage kit? Bon, bah, il a rage kit. Let's go. Le joueur golem qui laisse tomber, ça c'est bien. Okay. On a l'autre Arkix qui tape le bâtiment. Et bah voilà!
Et ben voilà, c'est le rage kit de la vidéo. Non, parce que d'habitude, il y a au moins des rage kits et là, il y en avait pas. C'est vrai que c'était chagrin. C'était gros chagrin. Et il a un peu farcé. En plus, Zap, ça a coûté vraiment cher. Hein. C'est un grand malade. C'est un grand malade. Alors, du bomber, 42. Oh. Dommage qu'on n'utilise pas, hein. Ça aurait été sympa. Ou du coffre en or. Ah, golem de glace quand même, golem de glace. À dénoter, il y a quand même une carte qu'on utilise. Alors, le prochain, c'est du coffre magique, donc peut-être qu'on aura de l'Arctix, on sait jamais. Hein. Tu as un malentendu. Hein. Et là, on a pas mal de coffres à ouvrir. Alors, voilà, donc la suite. Là, il y a le tournoi mondial. Il y a le tournoi mondial. Du coup, nous, on va aller faire le tournoi mondial. Je vais le faire en vidéo sur une autre vidéo, évidemment. Ah, attendez, 96. Histoire d'aller choper des jetons. Alors, on n'a pas de quoi acheter, malheureusement, les récompenses chères, les récompenses onéreuses. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer? Voilà, si on fait une bonne perf, on peut récupérer peut-être 5 Arc-X. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, ça va être les petits bonus en or, mais surtout les jetons, le jeton épique. Ça va permettre de faire 10 Arc-X, ça serait vraiment ouf. Le jeton commun aussi, qui va nous permettre de choper des archères. Et après, il y a même le petit Lightning Strike, donc il va falloir faire 12 victoires. 12 victoires dans le tournoi mondial. Donc la prochaine vidéo sur ce compte, c'est les 12 victoires sur le tournoi mondial, elle devrait arriver très bientôt. J'espère bien que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite à tous une excellente journée, et surtout prenez vraiment bien soin de vous, on se retrouve très vite.